Bienvenue sur la chaîne du studio Lucornara. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un round tour de maman, de la chambre de maman et papa. Donc, c'est parti! Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Beyoncé. Apercevoir la comique licorne de maman. Donc on va rentrer, c'est parti. Voilà. Donc voilà la plus la combi. Derrière la porte, donc on va fermer la porte. Il y a un joli cadre de Ketmos. Ensuite il y a la commode. On dit la table de chevet. Oui. Donc il y a une petite lampe toute simple. Voilà. Donc là c'est le côté de papa. Oui. Donc ensuite il y a le lit de maman. Et voilà. Donc mon lit que j'aime énormément. Avec ma belle parure de lit. J'ai la même maison. Marbrée. Oui. Ensuite, on a une cadre. Parce qu'en fait, maman l'a posé là parce qu'elle va en acheter un deuxième. Et elle va le mettre avec du lit de maman. Ensuite, là, il y a ma montre qu'elle a récupérée. Oui, parce que je vais. En fait, on va racheter des lampes pour nos chambres à nous et on va te racheter aussi une lampe pour toi. Je l'ai mis beaucoup. Voilà. Donc là, c'est mon petit carton de chez Bigumi, d'une combi que j'ai reçue il y a quelques semaines que je n'ai toujours pas ouverte. Et ça, c'est l'époque qu'on a reçue dernièrement que vous verrez dans un prochain haul. Voilà. Ensuite, là, il y a. La coiffeuse de maman. Donc il y a ses pinceaux. Voilà, mes pinceaux, le lisseur, mes petits parfums. Donc, elle aime beaucoup celui-là. Voilà, ici, c'est le bazar, un petit peu bazar maquillage de maman. Et là, il y a un petit truc, donc, voilà. Il y a, en fait, toujours marbré. Voilà, toujours avec du marbré. Là, c'est le bazar, faut vraiment que je range. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous intéresse que je fasse le rangement de tout ça et puis que je vous montre... Voilà, que je vous montre comment je range mon maquillage. Bon, là, c'est un peu le bordel. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je essaye ça en vidéo. Voilà, c'est une petite bombe de bain qu'on a eue chez Action, il me semble. C'était une schtroumpf. Il a cassé. Voilà, mais c'est pas grave. Ouais, grave. Testera quand même. Ensuite, il y a le beau miroir de maman. J'adore ce miroir, il est tellement magnifique. Ensuite, il y a le ventilateur pour la nuit. Parce que l'été, maman adore mettre son ventilateur. Oui. Ensuite, là, on a la fenêtre. Voilà, une fenêtre un petit peu bizarre. Donc, voilà pourquoi il y a le ventilateur dans la chambre. C'est qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre normalement, en fait. On est obligé de l'ouvrir comme ça. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, chez vous, mais en fait, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup d'air dans la chambre. Et celle-là, on ne peut pas l'ouvrir. Voilà, et celle-ci, on ne peut pas l'ouvrir. Donc là, après, il y a mon petit porte-vêtements que j'ai repeint, d'ailleurs. Parce qu'avant, il était rose. Et ça se voit. Ouais. Et c'était, je l'ai eu quand j'avais 12 ans. Donc, ça fait longtemps que je l'ai. 12 ans, ouais. 27 ans. Voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la bombe de chez Action. Luna ne s'en servait pas, elle préférait mettre ses affaires par terre, du coup. Hein. Mais je range tout ma chambre. Voilà. Et là, on tombe sur deux grandes portes d'armoire. Bon, en bas, faites pas attention, c'est le bazar, faut vraiment que je range. Et là, bah, du coup, attends mon cœur. Là, c'est la penderie où je mets tous mes vêtements, tout ce qui est robe, t-shirt, veste. En haut, c'est du bazar avec des pulls pour l'hiver. Du bordel, du bordel, du bordel. Et de l'autre côté, ben bah voilà, hein, les affaires du papa, les affaires de maman. Bah là, c'est tout ce qui est pyjama. Et en haut, il y a tous les jeans. Oui, je l'ai dit ça. Donc là, c'est toutes les affaires pour dormir ou pour traîner. Ça, c'est mes shorts. Là, il y a les sous-vêtements. Ici, c'est les débardeurs. Oui. Ensuite, ici, les affaires de sport. Mes pantalons et en bas, bah, tout ce qui est serviette et tout. Hein. Il faut d'ailleurs que je remonte les autres. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé
cette vidéo parce que en fait vous avez été nombreux en commentaire sur mon room tour de ma chambre à demander que ça soit le room tour de maman, donc voilà, il est là. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que ma chambre change, que je refasse un room tour de ma chambre. Oui, avec les nouveaux meubles, placés autrement. Enfin, on pense qu'on va devoir rebouger quelques meubles. Ça fait déjà plus longtemps. On fait que ça dans ta chambre. On bouge les meubles. Oui, il reste toujours comme ça. Voilà, moi je peux pas faire autrement dans la chambre parce qu'elle est très petite. Après, tu peux mettre le lit comme ça. Oui, bah on l'a déjà fait, mais il n'y avait pas assez de place. Ouais. Donc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et surtout abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir. Et aussi abonnez-vous à la chaîne de maman, donc Kimi Family. Gros bisous tout le monde. Bisous, bisous. Ciao.